Il y a pitié de ma petite soeur que j'ai décidé d'aider. Faire là aussi la promotion de sa musique. Mais le jour où je vais te voir personnellement, je vais te gifler. Quoi? Tu fais ta maman là parce que je ne sais pas s'il y a les hommes vraiment en France là-bas. Mais je vais passer par là un jour. Quoi? Je vais m'arrêter là-bas à cause de toi seulement. Laisse mon frère. Hey. Ah, c'est ta maman que tu fais là. C'est parce que je comprends que toi, on ne te considère pas. Mais à ce moment de la vie, il y a les gens qu'il faut claquer. Quoi? Je te claque. Non, on n'a pas les plaintes. On n'a pas les plaintes à te porter. On te claque. Je te dis que tu arrêtes ta mère là. Bats-toi. Voilà. Ah! Oh, maman. Tu t'éteins. Parce que vous n'avez rien à donner. Tu n'as rien à apporter. Ah bon? Et pourquoi? Tu es parti au Cameroun, tu as fait des petites fermes, 50 poulets, tout et tout. Tu as tout perdu, tu n'as jamais rien réussi. Ça fait vraiment très mal. Hein? Plus de 20 ans en Europe. Tu arrives, on t'a tout exploité. Tu parles, tu n'as même pas honte. Quand tu arrives en Europe, ta première femme avait 150 kilos. Tu vois, tu as toujours été bête. Maman. Hein? Ton mode de vie t'a rendu nul, tu n'es même pas intelligent. La sagesse, tu n'as pas. Maman. La sagesse, tu n'as pas. Tu n'as jamais réussi, tu es tout du mauvais côté. Et ça, ta vie n'avance pas. Bah oui. Plus de 20 ans en Europe, tu ne montres rien qui est bien. Wonderful. Tu squattes dans la voiture parfois. Ouais. Tu es dans tout ce qui est mauvais. Avec ça, tu as réussi comment? Comme la dernière fois, il parlait à ma petite soeur. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir les qualités. Mais ton entourage impacte sur ta réussite. Ouais. Ton entourage impacte sur ta réussite. C'est parce que moi, pour le moment là, je suis en train de vouloir apporter ma part de participation. Moi, je suis pas dans cette démarche de critiquer seulement. J'aime aider. Voilà. J'aime aider. Oui. Voilà. J'aime que je dise que oui, hier, yeah, j'ai apporté ma participation. Et quand je suis un être humain, pour le moment là, je t'observe. Mais un jour, tu vas voir. Continue. Un jour. Mais tu mérites les quatre. Le reste des dents qui sont devant là vont tous arracher. Voilà. Ils sont sur la poêle. Les gens oublient que quand on veut se présenter en public, il y a des choses qu'on doit arranger d'abord avant de venir monter ses crocs. Bah, on va mettre les dents. Tu vois, les dents sont arrachées. Ou bien rire bien. On décide d'être un personnage public. On se prépare. Oui. Voilà. On rit, on se rend compte que voilà, c'est quand il rit que tu comprends qu'il a plus ceci, ceci à 60 ans. Voilà. Tous les dents des derrière sont toutes arrachées. Il marche comment? Je te demande comment il fait même pour marcher celui-là. Tous les dents sont arrachées. Ils n'ont rien servi. Tu n'es pas un homme. Mais quoi que tu. Je crois que moi tu avais un domaine où tu es fort à la politique, mais il me rend compte que tu n'as rien à donner. À part parler du tribalisme. À part le tribalisme que tu peux servir. Sois convaincant. Sois convaincant. Quand tu as décidé de rentrer au Cameroun, j'étais très content. Que, ah, au moins lui, il rentre au Cameroun. On peut choquer ici là. On peut faire des choses. Voilà. La méchanceté a pris au-dessus de toi. Trop méchant. Hein? Je ne comprends pas comment tu peux fréquenter une tribu. Et c'est toute cette tribu-là qui est dans ta cible. Même quand il n'y a pas lieu d'être. On libère quelqu'un. Quand on ne le libère pas, le Bamleka a quoi il voit dedans? Le Bamleka a quoi il voit dedans? Celui-là, là, il y a des familles au Cameroun là. Que peut-être il ne peut pas faire le défi avec les petits-fils de la famille là. Mais oui, il est milliardaire depuis quand? Il a commencé à avoir l'argent quand même, celui-là. Goro, les Bamleka, Bamleka. Mon ami, la jalousie, ça va vous faire quoi? Hein? La jalousie, c'est l'incapacité. Quand tu es incapable, hein? Le Bamleka est victime de ses qualités, voilà, de sa détermination. Oui, c'est ça, quand tu comprends. Le Bamleka est victime. Ouais. Oui, c'est ça, il voulait être Bamleka. Oui, quand tu vois quelqu'un. Chaque jour, parler. Non, oui. Tu sens que tu vas parler de Bamleke positivement. Tu te calmes. Sinon, on va te gifler. C'est parce que tu es là-bas. On va te montrer qu'on a fait la Libye. Toi, tu n'es pas un vrai Bozaïen. D'abord, le Bozaïen t'a dépassé. Tu avais dit que tu es entré dans un conteneur. Alors, tout ça. Tu es passé par la Mauritanie. Alors, ça veut dire que tu n'es même pas courageux. C'est nous qui avons fait la Libye là. Quand tu veux montrer que tu es garçon, on passe à la vitesse supérieure. On te lance un défi. On fait la Libye, non? On choque les Asma Boys. Tous les Libyens sont amis. Chacun marche à la boule. Elle fait rêver les immeubles et tous les habitats. Elle est devenue une obsession pour tous. Elle, c'est la tôle métrobande, au style unique et à la qualité premium. Partout en Afrique, on la réclame, on la cherche et on la convoite. Elle est pourtant chez nous, à Sogetol Cameroun. Elle peut venir vers vous. Une assurance qualité habitation pour toutes les générations. Disponible exclusivement chez la Société Générale des Tôles du Cameroun. Alibi. Il a fait la Libye, 1 an, 6 mois. Oui, il a fait la Libye à l'époque. N'importe quoi. Tu es garçon. Tu es garçon. Même si c'est un jeu qu'il est en train de faire. Ça n'a pas sa place. La dignité de moi, je ne vais pas me mettre aujourd'hui. Je me lève et commence à insulter les gens. Je commence à dire comment telle tribu est comme ça. Que wow. Non. Moi, j'ai des amis du sud et du centre. J'ai des amis du sud et du centre. Oui, j'ai des amis du sud et du centre. Quand on m'a arrêté à la semaine, celui qui m'a rendu visite, c'est il est du centre. C'est un ami de longue date que j'ai connu en Europe à l'époque. Il était étudiant. Mais oui, celui qui m'a rendu visite. Ses frères lui ont dit que mais tu veux quoi ici là? Il dit que mais celui-là c'est mon frère. C'est mon frère. Oui. C'est mon frère. Alors. Il y a des choses quand tu veux faire quand même. Tu vois, il est foncièrement jaloux. Il est méchant. Pourquoi? Parce que tu sais pas comment tu peux fréquenter quelqu'un, une tribu. Tu la fréquentes. Je le vois là pavaner parfois avec Flore de Lille, tout et tout. Mais comment se fait-il que ça sort facilement de ta bouche à dénigrer la tribu des personnes que tu fréquentes? Mais tu n'as pas peur quand tu es avec ces personnes-là. Hein? Tu n'as pas peur?
civisme ou la dignité. Tu n'as pas honte hein, de sortir des conneries de ta bouche, les invectives chaque temps. Sur une tribu que toi tu fréquentes chaque temps. Même pour l'amour et le respect des gens que tu fréquentes. La dignité demande que au moins tu les respectes. Alors que tu es une personne indigne, toi. Tu n'as pas de dignité. Et voilà maintenant tu fais à ce que la petite fille là reçoit les balles perdues pour rien. À cause de ton comportement. Il y a des gens qui ont puni à cause de l'entourage. Mais c'est vrai. C'est toi là toujours qui disais que non, les gens ne doivent pas. Que celle-là en train d'organiser le concert, elle ne doit pas s'attaquer à les balolo, à les bassistes, cela. Mais toi, voilà, toi aussi, tu fréquentes les gens. Et tu sais que les bambinoké, c'est une grande communauté. Mais c'est toi qui les attaques. C'est toi qui les attaques. Ça veut dire que tu n'aides pas cette petite fille. Tu n'es pas en train de l'aider. Tu dois aller à l'apaisement. Mais oui, tu dois. C'est parce que je vais faire une direct pour lui parler à cette jeune fille-là. Je vais lui parler. Ma chérie, c'est toi qui veux la visibilité. C'est toi que dorénavant, tu veux qu'on te considère comme une artiste. Donc, tu as le droit et le devoir de bien te comporter. De te battre à faire l'unanimité. Lui-même, Dieu n'est pas unanime. Mais tu dois faire l'effort. Un artiste va faire l'effort d'être neutre, que sa musique soit neutre et refléter, être le reflet de sa musique. Tu chantes pour donner la joie, de l'amour. Tu ne dois pas être celle-là qui chante et être dans l'invective et fréquenter les mauvaises personnes. Voilà Aya Kamora. Voilà Aya Kamora qui est en train de demander la séparation avec son petit ami. Aya Kamora a demandé la séparation. Elle a pris ses distances avec le père de son enfant. Pourquoi? Parce que même si ça avait la complicité, en tant que personnage public, elle a commencé à renoncer à l'acte de son gars. Comment tu peux employer dans le noir une sans-papier? Non, oui. En tant que moi, Aya Kamora, je protège mon image. On se souvient à l'époque, Winnie Mandela, pendant qu'il était en prison, Nelson Mandela, elle a commis certaines exactions contre certaines personnes. Mandela sort de la prison, il se rend compte que si je me mets avec cette personne, avec cette femme encore, je risque d'éclabousser mon image. Qu'est-ce que je fais? Il a demandé le divorce. C'est stratégique. C'est ça la vie. C'est ça la... Tu as fait preuve de grandeur. Pas preuve d'immaturité. On s'accroche pas à quelqu'un parce qu'il faut s'accrocher, non. Tu as bien chanté, oui, mais le choix, comme un manager, comme quelqu'un avec qui tu veux booster ta carrière musicale, a été mal fait. Le choix, le casting. Le casting a été mal fait. Faut faire attention, ma chère. Quand je te regarde, tu n'es pas mauvaise. Tu n'es pas mauvaise fille. Je sais parfois dans ma vie. Voilà, on est un peu pris, un peu, on en a ras le bol. On veut dire ce qu'on pense. C'est bien de dire. Tu pourrais dire vraiment, moi, si j'ai envie de me lancer dans une carrière musicale. S'il vous plaît, dorénavant, aidez-moi. Tu contactes tout le monde. Est-ce que tu peux imaginer? Tu sais seulement que vous êtes en France. Vous limitez le monde à vous. C'est dangereux. Vous limitez le monde à vous. J'ai les personnes sur la toile que j'appelle souvent pour me confier à elles. Alors qu'elles sont très longues. Nous sommes sur la toile, nous sommes une famille. Il n'y a personne que tu appelles sur la toile. Que moi, c'est elle. Vraiment, grand frère, j'ai besoin d'un conseil. Est-ce que je peux te parler? Est-ce qu'on peut jeter? Quelle est la musique de notre petite sœur, c'est là que je joue chaque temps? Elle est du sud. Angela Ondomba. Je joue sa musique depuis le Cameroun. La dernière fois, elle est étudiante en Suisse. La dernière fois, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut lui trouver un contrat de travail en Suisse là-bas? Pour qu'elle sorte du cadre scolaire. Voilà, pour avoir un visa travail, un séjour de travail, pour pouvoir changer son statut. C'est clair. Faut pas avoir honte d'appeler n'importe qui. Hein. Faut pas tenir compte seulement de que nous sommes de la même tribu, on doit faire entre nous. Non, faites attention. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel et tout, fais le direct. Petit pays, fais le direct. Longueuil, fais le direct. Fleur de Lille, fais le direct. La reine galloise, fais le direct. Même ma grand-mère, fais le direct. Fais le direct, fais le direct. Filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse. Selfie, ah, maman, selfie.